grazie a tutti voi, grazie a voi che avete sensibilità sociale e sensibilità politica e cerchiamo di mantenere questa manifestazione con questo spirito, uno spirito di pace e uno spirito di contestazione. Grazie a tutti voi. Ces situations en Italie et de ces mêmes situations en France. En France, nous n'avons pas la même situation. La Savoie, c'est pas la France. Pour nous, c'est à part. Okay. En Savoie, aujourd'hui, on a les élus qui disent qu'ils ne comprennent pas ce problème et qu'ils sont d'accord avec le gouvernement italien. Les Savoisiens, c'est pas pareil. Les Savoisiens, ils sont d'accord avec les notables pour faire la différence et montrer leur solidarité parce que de l'autre côté du tunnel, c'est chez nous. Et l'amiante, l'uranium, le problème écologique sur le nous versant à nous, il est énorme, mais les Savoisiens ne sont pas au courant. On est au courant que du tarif aujourd'hui qu'ils doivent recevoir de l'Europe, c'est tout ce qu'on sait. Et ça bloque pour les subventions. Donc c'est tout ce qui ressort aujourd'hui. Et nos élus ne nous ont pas expliqué les problèmes écologiques d'où vont dériver ces TGV à grande vitesse pour gagner pas grand-chose, pour payer très cher, alors que dans tout le pays qui est en crise actuellement, il n'y a pas ce qu'il faut pour suffisamment de gens manger, se soigner, etc. Il n'y a aucun intérêt à ce TGV à grande vitesse. Voilà pourquoi on est tous solidaires des notables. Et monsieur est au gouvernement provisoire de Savoie et nous informons les populations aujourd'hui de tout ce qui se passe pour qu'ils aient au moins des images différentes. On fait des communiqués de l'autre côté pour apprendre à la population le problème. Ben c'est un problème des Alpes. Il faut qu'on protège nos Alpes et ben c'est pour ça qu'on est très solidaires avec les notables. C'est une nécessité pour le futur.